coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo d'un tag. Il s'agit du tag La Pulipe qui. Honnêtement, je n'ai vu que deux vidéos de ce tag à ce sujet, donc je ne sais pas par qui il a été inventé. Si j'arrive à trouver, je vous le mettrai dans la barre de description de la chaîne YouTube de la personne. Vous aurez les questions dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller checker et si vous voulez faire le tag, faites-le. Donc je vais commencer sans plus tarder. Première question, la pulipe que je veux le plus, c'est Haru. Deuxième question, la pulipe que tu trouves la plus kawaii. Alors, j'ai pas tous les modèles de Jumpening et de Groove en tête, mais celle qui me vient à l'esprit sans réfléchir, je pense que ça serait la pulipe Sfoglia, Angélique Pretty Sfoglia, le nom complet, un modèle que j'ai déjà eu anciennement parce que elle a une tenue stock Lolita et le kawaii pour moi me fait penser au Lolita. Troisième question, la pulipe que tu trouves la plus gothique, c'est la mienne, donc c'est la pulipe Noir RS. Quatrième question, la pulipe qui a la tenue stock que tu préfères. Oula, j'en ai aucune idée. J'aime beaucoup celui de la pulipe Sacralita, donc je vais dire la pulipe Sacralita. Cinquième question, la pulipe que tu trouves la plus stylée. Alors je pense que chacun d'entre nous, on a sa propre définition dans notre petite tête du mot stylé. Flemme d'aller voir la définition exacte, mais la tenue stock la plus stylée à mes yeux, ou l'une des tenues stock les plus stylées à mes yeux et qui me vient en tête maintenant, je pense que je dirais celui de la pulipe Uncan Ricky. Sixième question, la pulipe qui a la tenue stock que tu aimes le moins. Alors, il y en a pas mal que j'aime pas, mais la tenue stock qui me vient directement en tête, je pense que ça serait celui de la pulipe Vénus. Ouais, même s'il y en a pas mal que je n'aime pas. Septième question, la pulipe qui a le plus beau maquillage. Je pense que ça serait celui de la Prunella. Huit, la pulipe que tu trouves la moins belle. La pulipe Squall, je pense. Ensuite, huitième question, non j'ai déjà dit, super, Maëva Segour dans les questions. Neuvième question, la pulipe qui a la plus belle perruque. Toc, bah ça dépend, si on parle du design, je pense que ça serait, bah déjà je ne sais pas, mais si ça serait au niveau de la qualité, dans toutes les perruques stock que moi j'ai pu avoir, je dirais celui de la pulipe Alice in Steampunk World. Maintenant, au niveau du design de la pulipe, de la perruque la plus belle, donc là on parle de perruque stock, puisque pendant tout le long on a parlé de modèle stock, je pense. Donc, ah je sais pas, hein. Franchement je fais pas gaffe aux formes des perruques stock. Allez, pour changer un petit peu, je pense que je vais vous dire une Groove, parce que les pauvres, je les oublie tellement vite. Pourquoi pas la pulipe Cheshire Cat? Elle a les cheveux rouges, je pense que sa perruque stock c'est pas de la merde. Bon, après à voir. Enfin, je l'ai déjà vu en vrai, mais j'ai pas spécialement fait gaffe. Donc ouais, je pense que ça serait celle-ci. Ensuite, dixième question, qui tagues-tu? Alors, je tag Nina So Cute, Putsy, qui d'autre? Je vais taguer Solaris, et je vais taguer qui? Si jamais Ness6Doll reprend sa chaîne, et bah je te tag, mais ça m'étonnerait que tu regardes cette vidéo. Je tag qui vous voulez, je tag la France entière, je n'en ai aucune idée. C'est vrai que quand on me demande, quand on me demande ou quand la question est posée dans le tag en lui-même, qui tagues-tu? Eh bah, je sais pas trop quoi dire, du coup je dis un peu des pseudos comme ça, mais si vous voulez le faire vous-même, faites-le, si vous voulez pas le faire, pas grave. Donc voilà, ce tag est fini, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, donc salut salut!